toute société, minière ou pétrolière, se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles. Le CNSP, sous ma conduite, a décidé de prendre en main les destinées de notre pays, le Niger. Voilà. En effet, les menaces existentielles auxquelles faisait face le Niger ne laissaient guère le choix à tout patriote soucieux d'éviter à son pays de sombrer vers les obscurs rivages du terrorisme, et cela nonobstant le placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères. Le pillage de ressources, le passe-droit et le bâillonnement des libertés fondamentales constituaient le brevet du régime déchu, malgré la facette démocratique affichée et vantée par l'ancienne puissance coloniale pour compenser la vassalisation du régime. Voilà. Victime de cette situation, notre peuple a adhéré à la nouvelle marche imprimée par le CNSP, transformant le coup d'État en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire. Cette défiance vis-à-vis du régime déchu, combinée à la menace et aux sanctions iniques imposées par la CEDEAO, a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les Nigériennes et les Nigériens. Au plan national, le changement a engendré un élan patriotique sans précédent, expression des aspirations profondes de nos populations à la liberté, à la dignité et à la souveraineté nationale. Ce conscient de l'immense espoir suscité par les événements du 26 juillet 2023 et pour être en symbiose avec les aspirations populaires que le CNSP s'est engagé sous ma direction, d'une part à la refondation à l'intérieur du pays et d'autre part à la construction de l'alliance des États du Sahel dans notre voisinage immédiat. Voilà! Notre ambition pour le Niger se décline, comme vous le savez, autour de quatre axes, à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et enfin l'accélération des réformes sociales. L'adhésion forte de la population à l'élan imprimé le 26 juillet 2023 nous commande ensemble le devoir de réussir l'œuvre de refondation ainsi voulue avec un engagement patriotique sans faille. C'est dans cette optique que j'ai engagé le gouvernement à mettre les mesures et actions nécessaires pour l'aboutissement de la vision portée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le cadre d'un programme destiné à renforcer notre résilience et assurer le développement des bases de production en tirant les leçons de l'impact des sanctions illégales, iniques, inhumaines d'une CEDEAO aux ordres. Des lettres de mission ont à ce titre été remises aux membres du gouvernement qui en feront le bilan sectoriel. Mes chers compatriotes, au plan de la défense et de la sécurité du territoire, la montée en puissance de nos forces sur le théâtre des opérations ne fait plus aucun doute. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme dans le Liptako-Gourma, et dans le bassin du lac Tchad, ou dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, nos forces de défense et de sécurité engrangent des succès. Voilà. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour le lourd sacrifice consenti au service de nos populations. La nation entière
à travers moi, exprime sa reconnaissance à votre endroit et manifeste sa solidarité envers les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ d'honneur. Pour ma part, je fais le serment de garantir la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité en réaffirmant la ferme détermination de toutes les autorités compétentes à poursuivre le renforcement des capacités de nos forces armées. L'État continuera à s'investir dans l'acquisition des moyens conséquents requis à la hauteur de la menace. Ah ouais. Nigérienne, Nigérien. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. À cette fin, j'ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l'objectif vise à assurer l'exploitation optimale des potentiels agro-pastoraux en vue de l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Ah ouais. Ce programme phare engagé sur financement propre promet des résultats satisfaisants. S'agissant de la souveraineté sur nos ressources extractives, elle s'édifiera à travers la promotion du principe de contenu local dont l'objectif réside dans l'obligation faite aux industries minières et pétrolières d'utiliser prioritairement le micro et moyenne entreprise locale et le personnel national. Une ordonnance sera très prochainement adoptée à cet effet. Dans l'affirmation de notre souveraineté, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination toutes les dispositions de législation minière et pétrolière. Toute société minière ou pétrolière se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles. Le bloc pétrolier Bilma, les rendus R5, R6, R7 d'Agadem, les permis miniers d'Imouraren et celui de Madowela sont retombés dans le domaine public de l'État. Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender. L'école nigérienne, la formation professionnelle et l'esprit d'excellence et d'entreprise constitueront le pilier majeur de la refondation et de la consolidation de notre souveraineté, car le sort national ne pourra être garanti que par une citoyenneté responsable dans les politiques publiques et le bannissement de la culture de la médiocrité et de l'impunité. Nigérienne, Nigérien. Au plan géopolitique, il me plaît de souligner que nous avons réussi de concert avec le Burkina Faso et le Mali à porter solennellement sur le fond baptismaux la Confédération des États du Sahel consacrée par le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel tenu le 6 juillet 2024 à Niamey. Le passage au pas de charge de l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel franchit en l'espace de 10 mois à peine, et ce malgré les embûches posées par ceux que notre indépendance dérange, illustre en lui-même notre farouche volonté de bâtir sur le socle sahélien un espace souverain de sécurité et de prospérité. Le traité mis en lumière par la déclaration de Niamey
crée une union d'État structurée autour de trois axes stratégiques, à savoir la défense et la sécurité, le développement et la diplomatie. Je tiens devant vous à remercier une fois de plus mes frères, les présidents Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, pour l'œuvre titanesque accomplie malgré toutes les menaces proférées et tous les complots ourdis contre l'AES. Je fais également le serment d'œuvrer à l'opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel, pour laquelle j'ai déjà commis un comité national. Mes chers compatriotes, soyez assurés que la voie que nous suivons est résolument sur la trajectoire de la rupture avec l'ordre néocolonial et l'établissement d'un partenariat gagnant-gagnant avec tous les pays du monde épris de paix, et ce, sans exclusive. À cet égard, le Niger respectera tous les engagements souscrits avec la communauté internationale. La désinformation orchestrée par les organes néocoloniaux et certains compatriotes renégats dans le rôle d'esclave de salon, selon la formule de mon frère le président Ibrahim Traoré, ne nous détournera pas de notre marche triomphale vers la souveraineté. Aucun État, aucune organisation interétatique ne nous dictera la conduite à tenir, ni son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Et ceux qui fantasment sur la remise en selle imminente des régimes déchus à leur solde vont déchanter. Ils devront se rendre à l'évidence avant qu'il ne soit trop tard. Notre marche vers la souveraineté pleine et entière est inexorable. Mes chers compatriotes, c'est dans le cadre résolu de cette marche que s'inscrit une série de mesures préalables et actions prises par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour asseoir davantage notre souveraineté, à savoir et sans être exhaustif. La dénonciation des accords de défense et de sécurité qui lient le Niger à la France. Le renvoi de l'ambassadeur de France comme persona non grata. La suspension des droits de diffusion au Niger de certains médias propagandistes français. Le retrait du Niger et du Burkina du G5 Sahel. L'abrogation de la loi 2015-36 du 26 mai 2015 relatif au trafic illicite des migrants. Le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO, la dénonciation de l'accord militaire entre le Niger et le Bénin, la nationalisation de la Société nationale des eaux, la dénonciation de la convention fiscale entre le Niger et la France, la dénonciation de l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. D'autres mesures comme la création de la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, visent, elles, à assainir le climat socio-économique en rétablissant l'État et nos populations dans leurs droits. L'œuvre de reconstruction ne peut se faire qu'avec le concours de tous et en faisant ensemble le diagnostic des errements passés pour parvenir à l'administration des remèdes conséquents et adaptés à la prévention de la délinquance économique. C'est dans cette optique que j'ai mis en place depuis plus de 2 mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales
d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national. Zantien Kassali, Laboussanimi. Vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel. Je vous remercie. Oh Tchali, c'est 10, c'est 10, c'est 10, tiens camarade. Là, il faisait son bilan parce que le 26 juillet 2023, 26 juillet 2024, ça fait un an jour pour jour. Donc, il faisait le bilan de un an. Aujourd'hui, oui, on parle là. Aujourd'hui, on parle, ils sont à la cérémonie, voilà, à la cérémonie culturelle à l'ADA. Alada au stade général Sénou Koutché aujourd'hui. Aujourd'hui 26. Tchadi, c'est un 10. Et dit, il est imposé dans tout ce qu'il a dit là. Vraiment, il a parlé. Et c'est tout. Mais ce qu'il a retenu ici, c'est comme rappel d'Afrique, c'est pas bon. Il est imposé au multinational de travailler avec les PME nationales, les petites et moyennes entreprises nationales du Niger, et de travailler avec les nationaux, ou bien tu dégages. Il y a un nouveau code minier, un nouveau code minier qui sera élaboré, bon, qui est en train d'être élaboré, je pense que c'est bien bon, qui sera donné aux entreprises minières. Tu veux pas, tu dégages. Eh Dieu, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. Quand tu es président, je vous dis, je le dis et je le répète, dans cinq ans, si l'on n'y prend garde, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'auront plus besoin de traverser la mer. Ils iront se chercher très rapidement dans l'AES. Je vous le jure, ça va arriver. Parce que ce n'est pas magie. Ce n'est pas magie. Il suffit juste de leur dire, arrêtez de voler. Stop. Tout ce qui reste là, on va utiliser. Pour nous. Et puis c'est fini. Et puis vous devenez riche. Ouais. C'est tellement simple. Il faut juste une volonté politique assumée. Et puis ton pays africain devient riche. Ce n'est pas magie. Il a parlé de la montée en puissance de l'armée et c'est effectif. L'armée nigérienne monte en puissance. Et là, je pense que les Wolawolais terroristes sont à gauche et à droite là. C'est fini pour eux. Obel Djoubéti, tranquille. C'est ça qu'il s'agit. J'ai un camarade d'Afrique. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, on est ensemble.